Bonjour, bonsoir. 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 Là, c'est là. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alain. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, oui. Oui. Merci. On va continuer avec donc, notre présentation de région. Mm-hmm. Alors, je reprends. Donc, je continue avec la présentation des régions. Les pedimos por la duda que se quedan muteados para si viene en el medio un ruido exterior que podría ser muy como un parásito para los demás. Attention. Al final, si tendrán preguntas, ahí tendremos un tiempo para contestar. Voilà. Donc, ce mois-ci, au mois de mars, nous voyons la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la Corse. Nous avons donc rassemblé ces deux régions qui sont les régions au sud ici de la France. Donc, nous avons déjà vu bien précisément la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, Nice durant les premières semaines de mars. Chavimos esa parte. Et aujourd'hui, on va vraiment regarder la Corse. Donc, si tomo un barco desde Nizza, estoy en pocas horas en Corsica. Alors, la Corse a un surnom, tiene un apodo, c'est l'île de beauté. Et je vous propose donc aujourd'hui de commencer à voir pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça. Pourquoi on appelle ça l'île de beauté. Donc, on va faire un peu le tour de sa géographie, de son histoire et un peu sa biodiversité. On terminera avec la Corse la semaine prochaine. Voilà. Donc la Corse, je vous le rappelle, c'est ici. C'est une île située à 170 km, donc está ubicada a 170 km de la costa de Nice, la Côte d'Azur, et seulement 12 km de la Sardaigne. Donc pour ceux qui sont déjà allés en Sardaigne, vous allez penser que ça ressemble énormément. Está justo a solo a 10 kilómetros de Sardenia, así que se suele pasar que les parezca parecido a Sardenia. Voilà, c'est très proche. C'est la quatrième île de la Méditerranée, après Chypre, Malte, Sardaigne, vient la Corse, au niveau de la grandeur. Donc, on a 344 679 habitants, et les habitants s'appellent les Corse. Voilà, le gentilé de la Corse, c'est le Corse. Voilà, vous voyez un peu plus la Corse. Donc, au milieu, on va avoir un massif montagneux. Et la Corse, ce n'est pas vraiment une région. Hasta ahí vimos muchas regiones administrativamente. La Corse no está igual. Es un territorio, una colectividad territorial. Ça ne change pas beaucoup pour vous, hein, c'est pour que vous sachiez, administrativement, ça ressemble plus, par exemple, à la Martinique qu'à une autre région comme l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine. Cependant, sin embargo, on a deux départements en Corse, la Haute-Corse, au nord, et la Corse du Sud, au sud. Voilà. Et
Ah, pardon. Ajaccio, donc c'est la préfecture, la ville la plus importante administrativement toujours, qui se trouve ici, sur la côte ouest. Et ici, en haut à droite, nous avons le drapeau corse. Donc, il représente une tête de mort. Mais attention, une tête de mort des Moros, de los Berberos, de sa tribu d'Afrique del Norte. Donc, il y a beaucoup d'origines possibles. Hein. C'est un des plus anciens drapeaux d'Europe. Una de las banderas más antiguas de Europa. On suppose que c'est dû aux différents envahisseurs. Comme vous voyez, avec sa situation géographique, donde está ubicado, lo invadieron muchas veces. Lo que vamos a ver ahora. Cependant, avant, je vous propose de voir quelques images de la Corse. Donc, pour commencer à savoir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'île de beauté. Ahí vemos unas imágenes de Córcega, de dos minutos. Ya les aviso, no tocaron mucho los colores. Los colores es como la costa sur, ya están muy fuertes, muy azul. Merci, Rocío. Donc, continuons. Comme je vous le disais, en Corse, c'est l'île de beauté. En général, quand on regarde la météo, el pronóstico, en France métropolitaine, on ne regarde pas la Corse, parce qu'en Corse, il fait toujours beau. En France, il fait froid, il pleut, et en Corse, il y a toujours du soleil, il fait toujours chaud. Voilà, siempre está lindo en Córcega. Suele dar mucha bronca a los de Francia metropolitana. Donc, on voit un petit peu son histoire pour comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que la Corse. Pourquoi c'est une île si spéciale et si différente. Je vous le disais, la Corse a été beaucoup envahie. Muchos la invadieron durante toda la historia. Donc, si on va déjà du 7e siècle jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est envahi par les Étrusques, par les Grecs et par les Romains, durant toute l'Antiquité jusqu'au 5e siècle.
Voilà, après les Vandales, et on en passe. Oui. Ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, on a encore des problèmes avec les envahisseurs. L'île subit, donc Sofre, beaucoup de luttes pour l'intégrer au territoire de Pise, en Italie. De Pisa, de Gênes, donc Génova, encore en Italie, ou d'Aragon, en Espagne. Et de France, évidemment. On est juste à côté. Voilà. Mais cependant, au XVIIIe siècle, les Corses se révoltent. Donc, de 1729 à 1755, ils se révoltent contre Gênes et contre la France. Et grâce à Pascal Paoli, en 1755, on déclare l'indépendance de la Corse et on écrit une constitution. Voilà, c'est Hace su independencia en 1755. Escribe su propia constitución. Et alors, chose assez rare, la fête nationale française. Otra cosa, la révolution, el día, c'est le 14 juillet. El 14 de julio. Eh bien, le jour de l'indépendance corse, c'est aussi le 14 juillet. Ça tombe le même jour. Bon, malheureusement, en 1769, la France récupère la Corse, leur font encore la guerre, et ça reste instable, queda muy inestable hasta el siglo XX. Jusqu'au siècle dernier, dans les années 70, il y avait beaucoup de manifestations, muchas peleas para independizarse hacia Francia. Eso lo veremos más la semana que viene para ver bien su cultura, su identidad como pueblo, que tienen idioma, que tienen música, que tienen cantos propios y también un himno propio. Bueno. Donc on reste un peu plus sur la Corse qui aujourd'hui a encore un statut à part. Donc je vous présente la ville de Corte. Je ne sais pas vraiment comment on dit en Corse, on va le dire autrement. Ce n'est pas la ville la plus grande, ce n'est pas la ville la plus importante, mais cependant, c'est une ville très emblématique, donc emblematica, parce que c'est ici, dans cette citadelle, en esa ciudadela, qu'on a signé l'indépendance de la Corse. Donc, c'est une ville, en général, au milieu de la montagne, qui représente beaucoup ce pays. Voilà, un peu comme ça, vous découvrez un peu aussi l'intérieur d'une ville corse typique. Vraiment, c'est une petite ville, hein. Il n'y a pas plus de 10 000 habitants, je crois. Non, il y a más de 10 000 habitants. Mais très jolie. Voilà, et très méditerranéenne, vous pouvez voir dans le style, ça ressemble énormément à l'Italie. Se parece mucho a Italia, como lo vimos la semana pasada con Nice. Voilà, on va parler maintenant un peu des Corses. On a aussi une réputation, des clichés, des stéréotypes sur les habitants de la Corse. Donc, on va voir pourquoi. Parce que cette réputation, malheureusement, donc desafortunadamente, les habitants de l'île ont une mauvaise réputation qui a été entretenue par des clichés, donc des stéréotypes, durant toute l'histoire. Tiene mala reputación y eso desde mucho tiempo atrás en la historia. Déjà, il y a un géographe grec qui avait parlé de l'île, donc qui habló de la isla en el primer siglo et qui parlait déjà des habitants en ne disant pas forcément de choses très agréables. Hein. Il disait « Les populations confinées dans les montagnes et réduites à vivre de brigandage sont plus sauvages que les bêtes fauves. » Donc, je vous traduis. Hein. Los pueblos que viven confinados en la montaña y que se reducen a vivir de vandalismo son más salvajes que las bestias salvajes. Donc, no sé si viene de acá, pero sigue una imagen un poco así. Hein. Le corps s'est entêté, coriace, alguien obstinado, duro, fuerte, difícil. Voilà, tiene lamentablemente mala reputación, que es totalmente falsa. Évidemment, ce sont des stéréotypes. Et si vous voulez
un peu rire avec ces stéréotypes, hein, je vous conseille de regarder Astérix en Corse, qui parle des clichés avec beaucoup d'humour. Hein. Decimos también que tal vez es un poco machista el corsico, le corse est un peu machiste, hein, et on voit ici où un personnage maltraite un soldat romain parce qu'il a parlé à sa sœur. Porque hablo con su hermana, un personaje corsico va a maltratar mucho a un romano durante todo el álbum. Se lo aconsejo mucho. Voilà. On voit aussi les fromages corses, los quesos que tienen la reputación de estar, y eso no es un estereotipo, huelen muy fuerte. Ils sont très très forts, et dans l'album d'Astérix, ce sont des bombes. Littéralement, ils font exploser, los quesos hacen estallar a los barcos. Tan fuerte que eso. Mais bon, on va revenir un peu sur ces clichés, parce que c'est pour montrer qu'ils ne sont pas vrais et pas fondés. Par exemple, pour casser ces clichés, para romper esos estereotipos, on vient de parler de l'indépendance de la Corse. Donc, quand en 1755, la Corse se déclare indépendante, la Constitution accordait le droit de vote aux femmes. En 1755, cuando se independentizó, las mujeres pudieron votar. Después, en Francia, pasó en 1944. Hein, 2 siglos después. Donc peut-être que cette réputation de macho n'est pas si fondée. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on dirait que les Corses sont aussi fiers? ¿Por qué son tan orgullosos? Eh bien, il y a peut-être une raison. Ils ont une île qui est parmi les plus belles îles de la Méditerranée, hein, mais en plus une île qu'ils préservent, que saben muy bien preservar a su isla maravillosa. Donc, ils sont très fiers d'une biodiversité unique. Et ça, c'est vrai, il y a une faune et une flore unique en Corse. Et la Corse met tout en œuvre pour la protéger. Et hace todo para protegerla. Donc, elle a 6 réserves naturelles, ce qui représente 83 500 hectares. C'est énorme. Donc, les réserves naturelles, on avait déjà vu, ce sont des espaces terrestres ou marins. Donc, son espacios terrestres o marinos qui veulent protéger les animaux et les plantes. Par exemple, s'il y a une réserve naturelle, je ne peux pas construire n'importe quoi. Je ne peux pas construire un complexe hôtelier ou un parc d'attractions. Es un lugar donde vamos a restringir y faire tout un tas de législations pour les protéger. Donc, maintenant, nous allons voir un peu ces réserves naturelles. Hein. Par exemple, sont absolument époustouflantes, hein, asombrosas, la réserve de Scandola. Alors, non, otra vez, hein, no cambiaron mucho los colores haciendo las fotos, es muy azul, es así, muy celeste, c'est très, très bleu. Et cette roche, c'est une roche donc volcanique, una roca magmática, a ese nivel, que se encuentra, creo, también en la costa de Italia, que está cerca. Voilà, alors vraiment Scandola, c'est la perle de la Corse. Hein. C'est une réserve naturelle de 900 hectares terrestres, 900 hectares en la tierra, et 1000 hectares marins. Donc, on protège à la fois les animaux terrestres et les animaux marins. Très impressionnant. Donc, on peut le visiter seulement en bateau. Se visita solamente en barco, donc il faut réserver parce que c'est un lieu très, très prisé. Es un lugar muy apreciado, il faut le réserver, hay que reservarlo. Donc, on trouve à côté aussi les calanques de Tiana. Ce terme de calanque, las calas que vimos la semaine dernière à Marseille, ou il y a 2 semaines, je crois. C'est un terme qu'on retrouve à Marseille cuando tenemos unos acantilados en el cual encontramos desfiladores, des falaises, de roches magmatiques, ici à Marseille, ce sont des roches calcaires, c'est pour ça que la couleur change. Donc, ils sont accidentés par des gorges. Encore une fois, la couleur est magnifique. Près de ces réserves naturelles, on trouve les gorges de Spelunca, où on peut aussi faire de nombreuses randonnées,
où c'est autorisé de se baigner, par exemple, acá se puede bañar, on peut faire de très belles randonnées dans la forêt. Se puede caminar mucho tiempo, hay muchos senderos en ese bosque. Très agréable. Après ça, d'autres réserves naturelles, on va trouver les îles cervicales, donc son islas que están al sureste, au sud-est, un groupe d'îles, un archipel qu'on trouve ici, et où c'est idéal pour aller plonger, pour faire de la plongée sous-marine, donc para bucear. C'est très pratiqué en Corse, hein, comme vous voyez, comme l'eau est claire. Beaucoup de gens vont en Corse pour faire de la plongée. Suele ser una isla para los deportistas. Ensuite, je vais parler plus fort si on entend bien. Une autre grande réserve naturelle à côté de Bastia sera l'étang, El Lago de Biguglia. Donc, c'est un étang de 14 km carrés, très, très grand, qui regroupe donc aussi une faune très importante. Pardon, ce n'est pas à côté de Bastia, mais c'est à côté de Bonifacio. Voilà, déjà, plusieurs raisons pour lesquelles on peut penser que les Corses sont fiers. Razones por las cuales tienen la reputación de ser tan orgulloso y tan celoso de sus territorios. Mais aussi, donc, dans toute cette nature, on a gardé une histoire très présente avec ces villages et ces villes, comme par exemple la bouche de Bonifacio. Et oui, la ville est sur la falaise, hein, justo en, pardon, el alcantilado. Voilà, la ville très impressionnante, hein. Évidemment, à voir en bateau, c'est vraiment recommandé. Et d'autres petits villages typiques, hein, comme San Antonino, que l'on voit ici, ou encore le village de Piña. Donc, Piña est très agréable à visiter parce que les voitures, les automobiles sont interdites dans le centre. Está prohibido circular en auto. Están protegiendo con respecto a las emisiones, vigilando mucho la emisión de dióxido de carbono. Voilà. Donc, c'est très calme pour visiter. Vraiment, on est dans une atmosphère du sud. On va entendre juste les grillons. Aucune voiture. No se escucha nada, sino los grillos. Et donc, après ça, dans ces réserves, en plus d'avoir une flore très belle, unas plantas protegidas, on va trouver des animaux, évidemment, que je vous présente. Ah, pardon. Encore une photo de Piña. Voilà, vraiment des rues vieilles et historiques. Et comme se nota, siempre hay sol. Voilà. Ahí encontramos unos animales, donc quelques animaux, parce que ces réserves servent à protéger des animaux menacés. On va trouver par exemple une citelle corse, donc un petit oiseau, un pajarito, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a 251 espèces d'oiseaux protégés. Tenemos 251 tipos de pájaros que están protegidos. Et dans ces 251 espèces, on va en trouver 190 en Corse. De estos 250 tipo de pájaros, hay 190 en Corsica. C'est très impressionnant. Il y a énormément dû à l'espace important de réserves naturelles, bien sûr. On va trouver, donc, dans le monde marin, par exemple, des oursins diadèmes. Cette espèce si particulière qui fait des piqûres, hein. Dans les montagnes, comme vous avez vu, está muy montañoso, on va trouver le mouflon corse, par exemple. Hay muchos especies de animales, también tipos de animales que tienen la apelación corsica. También hay un burro, un âne, el âne corse. Hay muchos jabalis, muy típico, y también cerdos corsicos. Donc, le mouflon, c'est un mouflon, un tipo de cabra montés. Parmi ces oiseaux, très impressionnant, on va aussi trouver des rapaces. Hein? Se puede encontrar águilas y se puede encontrar aquel que es le giapède barbu. Donc, c'est le rapace le plus grand d'Europe.
Quand il étend les ailes, cuando abre las alas, il mesure 2,80 m. Si le medimos las alas abiertas, son 2,80 m. Très impressionnant, ces animaux. Et enfin, donc pour terminer, en Corse, on va trouver des randonnées. Vous commencez à être habitués. Pour ceux qui ne savent pas, donc les randonnées, c'est aller marcher, faire des sentiers. C'est un sport, c'est le sport le plus pratiqué en France pour tous les âges. El sendero está marcado, donc c'est balisé. On peut faire juste des petits morceaux. Mais en Corse, par contre, attention, il y a beaucoup de randonnées. Et on va trouver le GR20. Donc, le GR20, ce sont les sentiers de randonnée les plus importants. Donc, le GR20 traverse du nord au sud sur 179 km, Cruza del Norte al Sur, et traverse à travers la montagne. Donc, c'est un sentier réputé très, très difficile. C'est une randonnée donc difficile à cause de l'aspect technique du sentier de montagne et c'est même qualifié le plus difficile d'Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très connu. Está muy famoso porque es uno de los más difíciles. Ahí sí se podría decir que es trekking. Donc, en général, on le fait en 16 jours. Leí recién que unos lo hicieron en 13 días. Et c'est autre chose. 16 jours, déjà, c'est bien. Hein, c'est 10 km par jour. 10 km en montagne, c'est énorme. Donc, il faut vraiment une préparation physique très, très importante. Hay que prepararse físicamente y no hacerla ahí de nada. Hay que ir a ver un médico antes para saber si estamos aptos para hacerlo. Voilà. Et je vous propose pour terminer donc de voir des images de cette randonnée très impressionnante et magnifique. Ver unas imágenes ahora de ese camino a través, entonces, como ven acá, que cruza toda la montaña córsica. Il y a d'ailleurs, donc vous verrez après ça, un film, beaucoup de films, muchas películas sobre ese que están disponibles en YouTube, en inglés o en muchos idiomas, porque mucha gente viene del extranjero para hacerla, como un desafío. Voilà, pero por ahora les propongo que veamos este video. Uno funciona. Rocío.
Voilà. Donc, on peut ici voir un peu peut-être pourquoi il y a cette réputation d'hostile à la Corse. Hein. Si uno no conoce esa montaña, le va a parecer dificilísima y muy, muy feroz, tal vez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, sur tout ce qui a été dit? Moi, j'en ai une. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des Corses connus? Si conocen unos corsico famosos. Oui, ahí pueden desmutearse. Napoléon. Oui, très bien, justement, Napoléon. Exactement, Napoléon était corse. Oui. Un autre, más moderno, tal vez. Hay unos cantantes. Para los que empiezan, por ejemplo, les recomendaré Benabar, un cantante. Habla de manera bastante facile à entender, je crois. Ce n'est pas très difficile, Benabar, et c'est tout. Après, ce seront des acteurs, hein, comme Philippe Léotard, aussi, qui est corse. Voilà. Hay también en Córcega destacamentos militares franceses. ¿Qué son destacamentos? Claro, como está el ejército francés, tiene fuerzas en Córcega como para maniobras. Ah, no sé. Ah, también no importa. No, perdón. El ejército no es más obligatorio desde 95 y yo nací justo bien para no saber. No sé. Claro, no, yo decía como que hacen operaciones especiales en Córcega, pero no importa. No sé y no creo porque los córcicos tienen la reputación de cuando dicen no es no, si es un espacio protegido, es protegido. Claro, se construye una casa y ahí. Voilà. On verra ça la semaine prochaine. Oui. Merci. Bah, de rien. Et bonne soirée donc à toutes. Et à la semaine prochaine pour terminer avec ce cycle sur le PACA et la Corse. Mais de rien. Bonne Merci. Soirée. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Ciao. Ciao.